C'est que c'est ça qu'on a besoin. Forcément, on va parler de ton album La Nuit du Réveil. Plaisir. C'est vrai qu'on a constaté que dans cet album, comme dans tes précédents, tu traverses beaucoup d'univers musicaux. Tu ne t'enfermes pas, tu ne te mets pas de limites. Mais on a constaté aussi qu'il y a beaucoup plus peut-être de rythmique, peut-être un peu moins d'acoustique. On va dire qu'on se rapproche un peu plus de sonorités assez rap, on va dire, ou rythmées, on va dire. Est-ce que tu as l'impression que quand tu donnes le signal avec le titre « Puff pas », c'est fait exprès parce que ce titre-là donne un peu, je ne vais pas dire toute la couleur musicale de l'album, mais c'est un parti pris clair vers des sonorités peut-être un peu plus rythmées. Bah, c'est-à-dire que depuis L'Arme de paix, qui a suivi Liverpool Bar, je suis parti en mode acoustique, donc dans une direction qui était la mienne. Et c'était un moment où je pouvais me permettre certaines expériences. Et puis est arrivé Le Roi sans carrosse, puis La Voie lactée. La Voie lactée est passée un peu la trappe, donc on peut considérer que depuis Roi sans carrosse, depuis 2011, j'ai eu le temps de réfléchir et que en fait, j'avais bouclé une trilogie qui collait bien avec les 20 ans d'Opéra Puccino. Et sur ce disque-là, je ne me voyais pas venir autrement qu'en simplicité, avec une musique moins chargée, beaucoup plus compréhensible au premier abord. Et donc la seule possibilité, c'était de travailler, entre guillemets, à l'ancienne. Et je veux dire à l'ancienne parce que je ne pouvais pas récolter des beats de tout le monde et sélectionner dedans. Je suis parti de mes maquettes que j'ai composées comme d'habitude, guitare, basse, et puis les plugs et tout. Et ça n'a pas touché. Ça n'a pas touché. Les artistes que j'étais autour de moi étaient un peu dubitatifs. Mon équipe était dubitative. Donc j'ai préféré réfléchir et faire les choses bien. Et avant même que je commence l'album, on parlait de quelqu'un, beaucoup, je me suis rendu compte qu'il était la seule personne qui aurait pu répondre à mes envies. Voilà, donc on était parti avec Eddie au début avec des instrumentaux chargés, avec plein de musique. Et ça n'accrochait pas, parce qu'on n'écoute plus la musique comme ça aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est mettre beaucoup de silence, épuré, sans vider la musique. Simplifier, en fait. Simplifier, oui, simplifier, exactement simplifier. C'est très difficile de simplifier. Et tout ça enrobé par Phase. Phase qui, pour moi, est le beatmaker du moment. Pourquoi ? Parce qu'il maîtrise toutes les époques. Il maîtrise toutes les sciences, il maîtrise tous les genres de hip-hop, toutes les sonorités. Et il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien ce qu'il fait. D'ailleurs, plusieurs fois, c'est arrivé, j'arrive avec des paroles ou un a cappella, et je lui dis, vas-y, propose quelque chose, et il trouve tout de suite. C'est pour ça que Phase me convenait, parce que, par exemple, pour un morceau comme Alibaba, ma référence claire était Timbaland. Si j'avais dit ça à un beatmaker, un jeune beatmaker, il n'aurait pas, compris, en fait. Il aurait pas compris de quoi je parle. Ouais, mais c'est vrai. Tu vois, par exemple, pour Puff Pas, là où tout le monde pense que c'est la trappe, c'est la grime anglaise. Mmh, oui, tu vois, exactement. Parce qu'il y a cette touche afro qui vient de l'Afrique, de la Jamaïque un peu, et sur lesquels kick tous les mecs là-bas. Et moi, c'est ce qui me parle beaucoup plus que la trappe. Et sur tous les morceaux comme ça, il y a des saveurs de toute ma carrière, mais avec les sonorités d'aujourd'hui. Oui, voilà, merci. La manière dont on mixe la caisse claire, les Shirley, mais tout en restant fidèle à tout ce que j'ai fait tout au long, parce que si tu regardes bien, tous ceux qui disent « oui, t'es parti vers le jazz » alors que ça remonte à plus d'une douzaine d'années, en fait, n'ont pas écouté mon travail et sont restés à Opéra Puccino. Bien donc sûr. Je peux le comprendre. C'est resté en surface. Exactement, parce que si tu écoutes bien, enfin si tu écoutes même un peu tous les disques que j'ai faits, ben, ça reste moi en fait. Ça reste moi dans différentes teintures, mais ça reste moi. Ce qui fait que le disque que je propose aujourd'hui n'est pas en soi une surprise parce que ça fait partie de moi.
Une continuité, en fait. Exactement, logique. C'est une continuité. Et surtout, après 20 piges, quand tu as fait le tour d'un système que t'as construit quelque part. Bah, t'étais un peu à l'origine aussi. Un système que t'as construit, qui est un mélange un peu bizarre, un peu hybride, avec tous les risques que ça comporte. Ben forcément, tu vois, Moi, aujourd'hui, je fais de la musique pour m'amuser. Je fais de la musique pour... je ne cherche plus. Je fais de la musique pour vivre des bons moments avec le public, pour aller en concert et pour continuer à faire de la musique avec un prétexte plausible. Voilà, je fais de la musique pour ça aujourd'hui, moi. Mais c'est vrai que quand on écoute ce projet-là, il y a toujours tes thèmes de prédilection qui reviennent, c'est-à-dire ton rapport au temps, tu parles aussi d'enfance, tu parles aussi d'amour. Et par rapport à ton rapport au temps, on a l'impression que sur cette notion-là, tu n'as pas spécialement envie de ralentir le temps ou de l'accélérer ou d'essayer de le maîtriser. Limite, tu l'accompagnes, tu acceptes son effet avec sérénité. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, je comprends très bien, mais merci. Alors que beaucoup de personnes, quand le temps avance, peut-être qu'ils commencent à être pris de panique, ils commencent à avoir un recul sur leur vie, etc. C'est marrant ce que tu dis. Toi, tu n'as pas ce... C'est marrant ce que tu dis. Moi, j'accepte le temps qui passe parce que c'est une invention qui ne vient pas de moi. C'est-à-dire... Le temps se déroule, enfin les choses se déroulent, l'histoire continue et nous apparaissons puis nous disparaissons à un moment donné. Je veux dire, il y a des millions d'années derrière nous. Alors, ça donne une idée du court espace qui nous est donné et de la manière dont il faut le traiter. C'est-à-dire, quand tu regardes avant, la durée de vie moyenne était autour de 40 ans. Voilà, aujourd'hui on a pris 20-30 ans dans le meilleur des cas. Mais du coup, ça bouleverse tout. Et la manière dont on utilise le temps aujourd'hui a rétréci les choses. Donc forcément, on va avoir peur du temps de plus en plus tôt. On va avoir peur de vieillir de plus en plus tôt. Et ça ne va rien l'améliorer. Ça n'aide pas à vivre, ça n'aide pas à évoluer. D'ailleurs, tu dis même, avant 100 ans, on n'est pas vieux. Oui, aujourd'hui, il y a plus de gens qui ont 100 ans aujourd'hui que jamais. Et puis, j'ai une vision du temps qui n'est pas verticale. C'est-à-dire que je vois le temps à la même hauteur. C'est juste les années sont devant ou derrière, selon leur importance dans mes souvenirs. Et je pense que c'est ça le temps, quoi. C'est ça, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que ton rapport au temps, il va aussi avec ton rapport à la vie, et on va dire à l'âge, parce que dans le titre Nombril, tu dis d'ailleurs, nous ne sommes que des conséquences, notre passé commence avant notre naissance. Bien sûr. C'est comme si un peu pour toi, la vie, c'est comme si on était, je sais pas, dans une barque, sur un cours d'eau, et totalement. Que la seule manière de contrôler, entre guillemets, cette barque-là, et où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va atterrir, ce sont les rames, mais sinon, tu n'as pas d'effet ni sur l'intensité des vagues, ni sur la météo, ni sur le vent, totalement. Et qu'au final, on doit accepter qu'au final, on est dans la barque, au milieu de l'eau, et on avance, et puis c'est tout. C'est comme ça que tu vois les choses. C'est comme ça que je vois les choses, oui, tout à fait. Et je pense que c'est comme ça que sont les choses. C'est-à-dire qu'on arrive au monde avec un héritage et beaucoup de problèmes à régler, et en plus, une vie à construire. Est-ce qu'on peut penser qu'en quelques années, on peut régler tout ça? Non. Alors, autant essayer faire en sorte que ça se passe bien et profiter du paysage. Mais ça encore, il faut qu'on vous l'ait inculqué. Et si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose à rajouter sur la pile qui fait que la vie passe vite et pas drôlement. Mais cette sagesse-là, elle vient, ou cette vision des choses, je ne sais pas comment est-ce que tu l'appelles, elle vient avec l'âge qui avance ou elle vient aussi par rapport au fait que tu as toujours eu une façon atypique de voir les choses ou un recul sur les choses déjà peut-être très jeune, même déjà à l'époque de tes premiers projets. Comment est-ce que tu penses que c'est l'expérience de ta vie ou c'est de base c'était comme ça? On a toujours dit que mon premier album était mûr pour l'âge auquel je l'avais écrit. Donc depuis, j'ai continué à me renseigner sur la vie, à prendre du recul, à faire connaissance avec moi-même. Et forcément, il en résulte des réflexions que je ne fais que partager. Je pense que c'est ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu et que c'est une vision de vie particulière. C'est une vision particulière, voilà. C'est-à-dire qu'avant avant de la comprendre, on peut me la reprocher à juste titre. Et justement, dans le titre « À ton âge », tu dis « Tu sais que ta forêt est vers le quatrième quart ». Ouais. Et il y a un titre de l'album qui s'appelle « Je reviendrai pas », c'est le dernier titre de l'album. J'ai l'impression que si on te suit bien, après tu me dis si je me trompe, c'est qu'au vu de ta vision, c'est peut-être ton recul que tu as sur les choses, et le titre que tu as fait, je ne reviendrai pas, et par rapport au fait que tu dis on sait ce qu'on a foiré quand on arrive au quatrième quart, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui peut avoir très peu de regrets sur la vie, sur les choix que tu as pu faire. Ah ouais, j'ai très peu de regrets. Parce que
Au final, si on part du point, j'ai l'impression que même si tu dis que tu as fait une mauvaise chose, si je te suis bien, si j'analyse un peu comment tu penses, ta gamberge un peu même sur les projets précédents, même si tu as fait une mauvaise chose à un moment T donné, bah, tu te dis que tu ne regrettes pas parce que c'est ce que tu voulais faire peut-être au moment T où tu le disais. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est bien, mais je comprends très bien et merci de la lecture, du propos. Bah, c'est ça, c'est que quand je suis arrivé à 40 balais, je me suis dit, en fait, il y a des choses qui prennent tout ce temps pour être comprises. Ça sert à ça, avoir 40 ans, c'est comprendre qu'en fait, c'est pas comme ça. Et revenir sur 30 ans en arrière et comprendre des choses, débloquer des choses, des questions qui étaient restées en toi et dont l'absence de réponse te faisait marcher avec une blessure. Et donc, c'est ce mélange de réflexion et le fait que lorsque tu fais toujours les choses avec le cœur et que tu n'aimes pas revenir sur les choses, tu ne peux pas regretter parce qu'il y a des choses à faire encore devant. Et c'est ça, je ne reviendrai pas, c'est que je ne reviendrai pas dessus. Déjà parce que c'est fait, parce que c'est derrière et parce qu'il y a des choses à faire devant. Donc ouais, c'est ça, j'ai un caractère assez définitif. Limite, si je comprends bien, tu fais des erreurs qui peuvent faire entre guillemets du mal aux gens, c'est du mal involontaire. Donc à partir du moment où c'est du mal involontaire, tu ne peux pas le regretter, mais tu peux t'excuser, mais tu ne peux pas le regretter parce que c'est involontaire. Oui, parce que comme on dit, hélas, même si ça ne suffit pas, ça partait d'une bonne intention. Voilà. Je ne sais pas si c'est de l'ironie, mais c'est vrai qu'il y a une certaine fatalité en fait dans ton propos. Oui, mais c'est les choses qu'on rencontre dans la vie. Et c'est vrai que lorsqu'on voit les choses comme ça, on est plus tolérant face aux erreurs de son prochain. Des autres aussi. Oui, bien sûr. Déjà on les reconnaît et puis on trouve des explications à ça. Par exemple, dans une bande d'enfants, vous avez un petit problème avec l'un d'entre eux qui est beaucoup plus turbulent que les autres, très souvent, à la fin des cours, vous vous rendez compte que c'est les parents qui posent problème. Voilà. Donc, se mettre ça en tête face à un enfant turbulent peut vous pousser à le prendre autrement. Voilà. Et à régler le problème à sa manière. Le principe étant de régler le problème. C'est-à-dire derrière des attitudes, il y a toujours une explication. Toujours. Ça ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire que le petit ne va pas être fou ou turbulent du jour au lendemain parce qu'il a décidé le matin. C'est l'héritage qui fait ça. Exactement. C'est un environnement, c'est familial, c'est social. Voilà. Et donc, c'est vrai que voilà, faire les choses avec bonne attention et avec le cœur, lorsque c'est mal fait, vous êtes plus pardonnable. Voilà. En plus, toi, je suppose, après, je ne connais pas forcément ta vie privée, etc., mais je pense que aussi tu as une capacité rhétorique à expliquer les choses. Tu commences le jour ou pas? Ça, c'est un privilège. Parce que ça je ne vais pas dire que ça permet de passer la pommade, que ça soit la blessure soit moins brûlante, mais c'est un peu ça, ça aide, ça fait du bien. Ça apaise. Ça apaise. Peut-être pas à 100%, mais d'une certaine façon. Bah, tout ce qui peut aider est bon à prendre dans certaines situations. Hein. Voilà, et c'est vrai que ce n'est que des mots, mais c'est largement suffisant pour certaines douleurs. Hein. Bien sûr. Et puis, ce n'est que des mots, c'est tellement lourd en vérité, les mots. Bah oui, parce que c'est. C'est ce qu'on a entre nous, c'est ce qui nous fait qu'on communique, qu'on peut se mentir ou se dire la vérité. Se dire des choses qu'on n'oubliera jamais. Enfin, ça agit sur le mental, ça agit sur le cerveau. Sur des milliers de gens. Avec des mots, tu peux donner ton avis à des milliers de gens. Le titre My Life, que tu as sorti avec Orelsan, le jour de la sortie de l'album. Exactement. Déjà, avant de parler du clip, on va parler de la jeunesse du titre. Et donc, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que c'est refait cette connexion, on va dire, de studio entre vous deux? Orelsan, je suis toujours. Je suis fan de l'artiste depuis ses débuts. J'aime beaucoup ce concept d'anti-héros. D'anti-héros parce qu'il arrivait à une époque où le rap était à l'hardcore. Tu vois, il fallait être hardcore, il fallait avoir son équipe, il fallait avoir son gamo, il fallait être vénère, tu vois. Et lui, il est arrivé avec un son un peu boom-bap, des lyrics et un style totalement à l'opposé de ce qui était tendance, tu vois. Donc moi, j'aimais bien ce personnage anti-héros et j'ai suivi. Expert des années 90, kicker de fou, drôle, sens de l'humour, charisme particulier. Et donc, ça fait un moment que j'attendais d'avoir l'occasion de l'inviter sur un projet. Et c'est ce qui fait que je lui ai demandé, à la sortie de son album ou peut-être avant son album,
que je l'ai prévenu que je le voulais sur mon album. Donc je tenais à la voir, quoi. Je tenais à la voir. Et pour toutes ces raisons-là. C'est le premier pour moi aussi, c'est le premier rappeur normal. Le premier rappeur normal, dans le sens où c'est, il venait de Caen, tu vois. Donc il n'y avait pas de parisianisme dans, dans sa proposition. Et il racontait des histoires normales, de manière extraordinaire. Et c'est des histoires que l'on vit, surtout quand on n'habite pas à Paris. La vie ordinaire d'un la vie ordinaire de province. Voilà, de quelqu'un qui vient de province. La place du marché, l'ennui, le café du coin, la discothèque, enfin, la projection qu'on peut se faire sur l'avenir par rapport à Paris. Enfin, tout ça, je trouvais ça extraordinaire. Mais la description que tu fais d'Orelsan, j'ai l'impression que, même si, bien sûr, vous n'avez pas des univers musicaux qui se rapprochent de base, vous n'avez pas forcément la même histoire, etc., c'est ce qu'on aurait pu dire de toi de base. C'est-à-dire, le mec qui arrive de façon atypique, avec son univers, qui va à rebours de la tendance actuelle de quand il commence à se développer, etc. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui a fait que… C'est le décalage, ouais. Je me suis peut-être reconnu dans Orelsan par rapport à son décalage. Ça crée une proximité entre vous deux, en fait. Je trouve. Je me sens beaucoup de proximité avec lui, ça, ouais. C'est sûr. Ouais. Et c'est pour ça que même le thème, c'est un peu… Ben, le thème, c'est complètement ouf. De potes qui ont réussi leur vie, qui ouais, se disent, c'est ça. Regarde maintenant où est-ce qu'on en est, alors que de base, on partait de moins, je ne sais pas combien, selon certaines personnes. On le dit dans le morceau, quoi. Bien sûr. Et tout ce qui est dit dans le morceau, ben, c'est du ressenti, quoi. Ouais. Et c'est une très bonne idée qu'il a eue. De partir sur ce sujet, parce que c'est vrai que malgré tout, malgré le temps, bah, le bonheur passe toujours par les choses simples. Et c'est vrai que même dans le clip, qui est assez original, même, ouais. Bon, on va pas faire un jeu de mots, mais c'était réalisé, il me semble, par l'équipe d'Original Kids, c'est vrai qu'on constate aussi une certaine autodérision, un certain second degré aussi. Oui, comment est-ce que vous avez bossé ça artistiquement? Vous voulez avoir ce ton-là, qui fait partie aussi, un ton qui fait aussi partie de l'univers d'Orelsan. Oui, c'est exactement ce qu'on voulait. On voulait ce ton un peu buddy movie américain, un peu absurde, drôle, absurde, fantasque, à l'inverse du sujet un peu sérieux, voilà. Et ça, on pouvait le faire qu'avec les kids, parce qu'on avait des idées folles. Ils les ont surpassées, on s'est sûr. Réunis, on a discuté, et ça a donné ça, et ça correspondait parfaitement avec la folie qu'on voulait donner, cette folie posée. C'est ça, et cette folie aussi, on la retrouve aussi, je pense, avec Cabello et Jean Jass, qui viennent aussi de cette école aussi de très bons rappeurs, mais décomplexés dans le propos, voilà. Et qui ont une autre approche que ce qui se fait. Le challenge est ailleurs. Voilà, bien sûr. Et c'est ce qui m'a plu chez eux. C'est-à-dire que, déjà, ils sont belges. Ouais. Et j'aime beaucoup reconnaître en eux les enfants du roi Enoch, par le style, la dégaine, la manière dont ils s'assument, les accents, les expressions. Leur sujet de prédilection aussi, j'aime beaucoup, et la manière dont tu les traites, parce qu'ils ont l'air légers comme ça, mais leur rap est très technique. Bien sûr. Et j'adore ça, moi. C'est d'avoir des capacités et de les mettre en arrière pour ce qui nous fait plaisir. Voilà, j'aime beaucoup cette espèce de réserve. C'est une espèce de modestie, quelque part. Bien sûr. Et tu penses qu'aujourd'hui, par exemple, c'est intéressant, tu parlais du roi Enoch. Mais t'as pas l'impression qu'un personnage comme ça a peut-être eu, entre guillemets, ils sont arrivés un peu en avance par rapport à l'acceptation du public rap ou du public un peu plus général? Évidemment, il était en avance sur son temps. C'est-à-dire, c'est ça, c'est qu'il y a des artistes qui sont eux-mêmes, peu importe les tendances, et ils proposent une vibration. Et cette vibration, en fait, elle fait partie de la colonne vertébrale qui va faire... les prochaines fondations, la prochaine identité. Voilà, moi, j'ai vu le roi Enoch arriver, j'étais dubitatif, tu vois, j'étais là. Mais malgré tout, je réfléchissais dessus. Alors que quand on n'aime pas, on ne s'attarde pas. Et j'avais beaucoup de choses que j'aimais. Je voyais mes potes qui reprenaient ces expressions. Et un jour, je l'ai rencontré, et j'ai vu du génie dans le personnage. Et je comprends aujourd'hui tout ce qui se passe. Donc, il n'était pas en avance, en fait. Il était juste à l'heure pour montrer une direction. Voilà, c'est ce que je me dis après. Limite, aujourd'hui, on va dire... Aujourd'hui, on va dire que dans l'artistique, la part belle est au décalage. C'est-à-dire que si tu arrives avec ton côté atypique, même comme Philippe Catherine ou Kououkès, tu peux très bien faire en sorte en fait, de faire la différence sur la masse et d'exister. En fait. Aujourd'hui, on accepte la différence. Oui, peut-être qu'à ton époque, c'était
peut-être un peu plus compliqué. Ah ben oui, bien c'était sûr. Très codifié. C'était très... presque interdit. Ouais, bien sûr, c'est ça. T'es arrivé différent, t'étais mis de côté tout de suite. Sur le banc. Tout de suite, on cherchait une étiquette à te coller qui ressemblait à rien. Et puis ça y est, t'étais rangé. Raison pour laquelle on te dérangeait pas des. On t'enlevait pas du stand. Et par contre, aujourd'hui, c'est un bon faire-valoir. Mais je pense qu'être décalé aujourd'hui, c'est encore plus difficile que de l'être à une certaine époque. Pourquoi ? Parce que, en fait, on est décalé lorsqu'on est soi-même, quelque part. On est décalé lorsqu'on est soi-même. Et aujourd'hui, être soi-même, avec la concurrence qui est très très difficile, le temps qui presse, parce qu'il faut y aller tout de suite, et le public qui donne son avis, immédiatement ou quelquefois même avant. Ça uniformise en fait. Ça uniformise. Le type d'artistes qui sont proposés. Parce que, en fait, eux-mêmes, ils commencent déjà à réfléchir avant même de vivre l'instant présent. Avant d'être toi-même. Ça y est, c'est foutu. Quand tu sais que le public, il va aimer parce que tu fais ce que tu lui demandes, ou qu'il ne va pas aimer parce que c'est ce qui te plaît à toi, c'est ce que tu es toi, mais c'est pas ce qui marche. Limite, parfois, le fait de ne pas avoir de retour, d'être dans le flou, c'est pas plus mal au début. Exactement. Tant qu'on est sûr de ce qu'on fait. Bien sûr. Et qu'on éprouve, on éprouve de l'émotion pour ce qu'on fait. Tant qu'il y a ça, on est sauvé. Je pense que faire attention aux chiffres, à ce que le public va penser, il n'y a rien de plus dangereux pour sa création. Le rap français se propage de plus en plus. Par exemple, je crois que c'était le mois dernier, on a vu que Nekfeu a publié son documentaire Les Étoiles Vagabondes sur Netflix. On a vu que Kery James aussi publiera bientôt son film sur Netflix en octobre prochain, Banlieusard. Quand tu vois que le rap français est de plus en plus présent, qu'est-ce que ça t'inspire, toi qui as vu ses débuts, les balbutiements, etc., le fait que le rap s'installe de plus en plus, peut-être dans toutes les couches de la société? Pour toi, c'est peut-être logique. Comment est-ce que tu vois ça? Ben, moi, je suis en joie, je suis heureux de le vivre. Et je pense que, même si c'est surprenant, même si ça reste merveilleux, parce que c'était, on aurait pu en douter pendant longtemps, lorsqu'on constate l'évolution du chiffre et le gap qui s'est passé avec le stream et l'écoute de la musique sur Internet, ben on peut comprendre les choses, quoi. Et ce qui est génial, c'est que cette présence des rappeurs et du rap dans le divertissement, dans le cinéma, est explicable parce qu'aujourd'hui, il y a des rappeurs de plusieurs générations. C'est-à-dire, tu me parlais de Kery James, c'est ma génération et un peu plus jeune. Tu me parlais de Nekfeu, c'est carrément les vingtenaires. Donc, il y a une trentaine d'années de public concernées. Donc forcément, il y a de la clientèle intéressée par des programmes qui parlent des artistes qui suivent ou qu'ils ont suivi. Oui, bien sûr. En fait, tu penses que la différence... C'est mathématique, c'est pas de la sympathie. Bien sûr. Tu penses qu'entre guillemets, cette évolution est logique et que le fait qu'il y ait eu de la transmission a fait que le mouvement perdure. Et après, la qualité s'en est retrouvée aussi à améliorer automatiquement, c'est-à-dire... Ben, disons que, oui, la transmission, combien de fois j'ai entendu « c'est mon grand frère qui t'écoutait » ou « maintenant, c'est ma mère qui t'écoutait ». Voilà, combien de fois j'ai entendu ça. Et en termes de qualité, je pense que c'est quelque chose de... On parle de qualité, hein. La qualité, c'est subjectif, hélas. Enfin, hélas, non, même pas. La qualité, c'est subjectif. La qualité, c'est subjectif, et c'est très bien. Parce que si on pouvait mettre la qualité dans des cases, ben, du coup, il n'y aurait plus la notion d'émotion, il n'y aurait plus de valeur émotive sur la proposition artistique. C'est-à-dire que tu arrives dans un rayon et tu prends le cube de lait, dans un rayon de cube de lait blanc, et puis tu prends le tien, tu mets dans le caddie, tu vois, il n'y a aucune inscription dessus. Là, donc, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que je ne suis pas élitiste du tout. J'ai un niveau d'exigence, mais peu importe le niveau d'exigence, c'est le plus important, c'est le public. C'est ça qui compte. Et donc, peu importe la qualité, aujourd'hui, là où il y avait des centaines de milliers de gens qui écoutaient ce genre de musique, aujourd'hui, il y en a des millions. C'est ouf. Limite, la qualité, le combat est gagné. Toi, tu pensais, plus jeune, voir ça? Non, jamais. Bah, même quand j'ai commencé au premier album, je ne me voyais pas faire trois albums. Je voyais faire ça. Après mon deuxième album, moi, je voulais arrêter la musique. Hein. J'ai arrêté la musique. Après L'Amour est mort, j'ai arrêté la musique.
Oui. Est-ce que tu as eu du mal à te remettre en question par rapport à la réception entre pas du tout, pas du tout. Moi, j'étais sûr de ce que j'ai fait, même si c'était pas accessible. J'étais sûr de ce que j'ai fait et je me suis dit en fait, je suis pas au bon endroit. C'est tout. Ah ok, d'accord. Ouais. En fait, c'est les gens où okay, je comprends. Ouais, en fait, dans ton art, ta confiance artistique, non, ça n'est pas retrouvée altérée parce que tu savais que vous ne comprenez pas encore. Oui. Entre guillemets. Après. Beaucoup d'artistes qui ont foiré ont dit ça, oui, mais ouais. J'y ai enfin, pas... Toi, tu le penses, en fait, oui, je le pensais. Sans prétention aucune, en fait. Non, parce que j'avais pas fait ça par hasard. C'était... les albums sont dans une continuité. On parlait tout à l'heure de recul ou de bagages que j'avais à un certain âge. Bah, c'est une continuité quand tu lis un peu mes textes. Et donc, le deuxième album suit bien le premier, le troisième ainsi de suite, et puis même, il y a des disques où il y a des résonances de tous les disques précédents. Donc, moi je me suis dit non, j'étais pas au bon endroit, c'est tout. Je sais pas si tu as vu récemment sur le plateau de CNews. Oui. Pierre Ménès était un peu au centre d'une polémique. Ouais, lorsqu'il a réagi au propos de Lilian Thuram par rapport au racisme dans le football. Moi, je dis le pauvre parce que du coup, il se retrouve comme super-héros provisoire de la fachosphère. Ça ne doit pas être très drôle. Ensuite, il faut faire attention à ce qu'on dit en général. Et ouais, ce n'est pas quelque chose que je ne relève plus. Moi, depuis 2005, où la parole a commencé à se libérer, je me suis dit, OK, j'ai une idée précise, moins floue du monde dans lequel j'évolue. Mais après, je ne fais pas de généralité. Et comme je reviens à tout à l'heure, penser de cette manière-là, c'est des raisons soit d'ignorance, soit culturelles, soit de méchanceté profonde. Et dans les trois cas, ben, il n'y a pas tellement de débat. Voilà. Après, il est revenu sur ses propos, il avait dit qu'il avait mal été compris, ou du moins il s'est mal exprimé. Oui, ben, je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce que autant il y a des gens que ça dérange, autant il y a des gens que ça ne dérange pas. Faut l'assimiler, il faut l'accepter aussi. Qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme pareil, on ne peut pas aimer tout le monde. Voilà. Après, on peut rester poli, mais je suis sûr que ça l'a dépassé. Ça l'a dépassé, ouais. Je suis sûr que ça l'a dépassé parce que bah, c'est des propos que tu portes longtemps. Tu traînes ça comme un boulet, entre guillemets. Bah, oui, tu seras celui qui a dit ça. Même si beaucoup le pensent, tu es celui qui l'a dit. Tu as pris le flambeau. Ça te définit après, malheureusement. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Moi, je relève pas ça, je relève plus ça. On en a tellement entendu. J'ai vu que ce week-end, tu étais à l'affiche du BAM Festival. BAM Migrant Festival. Ouais. C'est un festival organisé par l'association BAM qui vise à sensibiliser les gens sur le problème migratoire. Toi, pourquoi est-ce que tu as décidé de participer à ce festival-là, je précise, de façon bénévole? Je ne me pose pas la question. Je ne me pose pas la question du pourquoi. Tu ne réfléchis pas en fait quand on t'invite à ce genre de... Mais non, quand tu marches et que tu vois un mec par terre en train de crever, ouais, tu ne vas pas continuer à aller acheter ton pain. Enfin, moi non. Non, parce que je suppose qu'on peut te solliciter pour beaucoup d'événements. Il est en train de mourir, hein, merde. Enfin, j'en suis pas là encore. Ouais. Il y a des pays où c'est comme ça, ouais, mais j'en suis pas là encore. Parce que je suppose qu'on peut te solliciter pour beaucoup d'événements humanitaires, voire caritatifs. Pourquoi celui-là et peut-être pas un autre cause? C'est peut-être que c'est une cause qui te... C'est une cause qui me touche parce que chaque vague de migration me touche de manière sociale et historique, déjà. Moi, à chaque fois que je passe à Stalingrad, Porte de la Chapelle aujourd'hui, le long de la ligne 2 à une certaine époque avec toutes les tentes, ou même entre Colonel Fabien et Jaurès sur la même ligne 2, ben forcément tu ne peux pas fermer les yeux, tu vois. Et puis quand tu connais l'histoire de ces gens-là, tu ne peux pas aider tout le monde, mais forcément lorsqu'on t'en donne une opportunité, tu essaies de la saisir. À ton niveau. Ben ouais, tu sais, c'est des gens qui... Il faut savoir que ceux qui sont là, c'est ceux qui ne sont pas morts. Déjà. Ouais, voilà, c'est ceux qui ne sont pas morts et ils en ont vu mourir.
Alors, s'il faut rajouter toutes les difficultés inhérentes à l'arrivée dans un pays où il faut partir à moins 10, voilà, c'est impensable. Non, c'est, tu vois, tout ce que je viens de dire, en fait, c'est tellement inconcevable que je comprends les gens qui n'ont pas d'empathie. C'est-à-dire que tu comprends les gens qui n'ont pas d'empathie. C'est-à-dire qu'ils ne préfèrent pas s'engager. Par déni, ouais, qui ne s'engagent pas, ou qui n'ont pas l'occasion de s'engager, qui ne la cherchent pas, ou qui ne sont au courant de rien, ou qui restent sur les propos du style « Ah, ces gens sont sales, oh là là, ils tombent dehors ». Voilà, les choses comme ça. Je peux le comprendre. On préfère détourner le regard, c'est ça? Ben oui, c'est plus facile. C'est la paresse. C'est la paresse. Et c'est vrai qu'il faut du courage pour voir les choses en face. Une sorte de paresse intellectuelle totale, et émotionnelle. Totale. Ouais. Paresse sociale, paresse intellectuelle. Mmh. C'est, en même temps, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr. On a tous des vies un peu compliquées, on va pas s'en rajouter quand même. Et t'as un dernier mot à ajouter, Oxmo. J'aime beaucoup votre média. C'est un super média. Franchement, j'espère qu'il va durer longtemps parce que c'est ça qu'on a besoin. Tu vois, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'année dernière, le conflit qui nous a tous concernés, et que les médias ont cherché du grain pour leur moulin, que les médias hip-hop se sont élevés. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, parce qu'on parle du succès du rap, mais moi, ce que j'apprécie le plus que tout, que les chiffres, que les artistes, que les salles remplies, c'est tous les gens sérieux que le rap a emmenés. C'est-à-dire qu'avant, c'était dur parce qu'il n'y avait que les artistes. Et aujourd'hui, il y a les journalistes qui sont formés, il y a les réalisateurs qui sont formés, il y a des écrivains, il y a des romans, enfin, il y a des gens... Ça crée un mouvement, en fait. Ça crée un mouvement qui est plus fort que la musique. Moi, j'avais tweeté il y a quelques années, là, aujourd'hui, où il se passe des choses plus intéressantes autour du rap que dans le rap, là, on va commencer à s'amuser. Quand j'ai vu les premiers humoristes à reprendre les rappeurs comme Willax, les choses comme ça, je me suis dit, ah ouais, là, il va se passer quelque chose. En fait, tu vois, le truc aussi, c'est que pourquoi c'est extraordinaire l'époque qu'on vit, c'est que moi, je me rappellerai toujours, j'étais dans le métro à l'époque, j'étais dans le métro à New York. Et tu sais, quand je voyage, j'adore me lever le matin et marcher dans la ville pour voir comment les gens vivent, les habitudes. Les enfants allaient à l'école, les gens allaient au travail. J'adore ça. Et donc, je suis dans le métro très tôt le matin à New York et je vois des enfants qui vont à l'école et ils chantent une chanson de Biggie. Ils ont 10 ans, 10, 11 ans. Et là, je me dis, putain, un jour où j'entendrai ça en France, ça sera apothéose. Et aujourd'hui, on y est. Voilà, on y est. C'est-à-dire que les enfants à l'école, ils chantent les chansons des rappeurs de manière naturelle, en chœur. Et surtout, toi, tu es acteur aussi. Moi, je suis acteur, moi, je suis un privilégié. C'est ça ? Je suis un privilégié parce que je suis spectateur de tout ça. Voilà, c'est très beau à voir.